Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, tendre Père, parce que ce soir encore, tu es là, Seigneur, présent au milieu de nous. Nous voulons t'accueillir, ô notre Seigneur et notre Dieu. Nous voulons te louer, tendre Père. Nous voulons te célébrer, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance à cause de ta bonté, à cause de ta bienveillance, à cause de ton amour, Seigneur. Nous voulons te bénir pour tout. Nous voulons te louer pour tout. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci Seigneur pour ton amour infini. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci de glorifier ton nom. Alléluia. De manifester ta gloire. Nous te bénissons, grand roi de l'univers. Nous te louons, éternel et Dieu Tout-Puissant, pour ton plan merveilleux, pour ta grâce, pour ta bienveillance, Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Maman Marika, que Dieu bénisse. Maman Blandine, que Dieu bénisse. Maman Laurel, Joachim Stan Gomez, que Dieu bénisse. Maman Maria, soyez bénie. N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Nous sommes là ce soir encore pour louer, célébrer Dieu. Glorifier Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité. Le bénir, bien-aimé dans le Seigneur, pour tout ce qu'il est, n'est-ce pas? Il est le roi de gloire. Il est le roi éternel. Bien-aimé, celui sur qui nous comptons. Voulons lui dire merci pour ce moment merveilleux. Il est celui qui brise les chaînes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de briser les chaînes. Dieu lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce sur la terre. Et sur la terre. Alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Merci Seigneur. Maman Bita, que Dieu bénisse. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Et la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance, il y a puissance. Dans le nom de Jésus, brisez les chaînes, brisez les chaînes,
briser les chaînes, pour 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 briser les chaînes. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez le chêne. Brisez le chêne. Brisez le chêne. Brisez le chêne. Alléluia. Brisez le chêne. Brisez le chêne. Brisez le chêne. Brise les mèches. Il y a une armée qui se lève. 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 Brise les chaînes. Brise les chaînes. Brisez les chaînes. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est capable, bien-aimé, de briser les chaînes. Bonsoir, bonsoir, ma Victoriana. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons élever nos voix, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons proclamer la victoire, n'est-ce pas, du nom de Jésus. Élevons nos voix, bien-aimé. Proclamons la victoire du nom de Jésus dans ce programme de prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous t'élevons à la plus haute place et nous proclamons ta victoire. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être magnifié. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Nous te magnifions au nom puissant de Jésus. Merci, Maître du ciel et de la terre. Merci, puissant de Jacob. Nous t'élevons à la plus haute place au nom puissant de Jésus-Christ. Ô notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Nous confessons que tu es Seigneur. Nous confessons que tu es le roi des rois, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous louons ton Saint-Nom. Nous glorifions ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu redoutable, merci. Merci pour ta grâce. Merci éternel notre Dieu pour ton amour. Merci grand roi de l'univers pour ta bonté au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être magnifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur de gloire. Nous proclamons la victoire, Seigneur notre Dieu, sur les œuvres de ténèbres. Nous proclamons ta victoire sur toute opposition à ces programmes de prière, au nom puissant de Jésus. Alléluia, nous te confessons, roi. Maître du ciel et de la terre, nous te confessons roi. Nous proclamons que tu es le roi éternel. Nous proclamons que tu es celui qui vit d'âge en âge, d'éternité en éternité. Tu y es le roi éternel. Tu y es le Dieu tout-puissant. Dieu grand redoutable, merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Bien-aimés, nous allons implorer, n'est-ce pas, la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne nous visiter encore ce soir au nom puissant de Jésus. Élevons-nous, bien-aimés, implorons la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de grâce et de faveur, l'Esprit de louange et d'adoration. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Nous n'en avons point d'autre comme toi. Nous n'en avons point d'autre semblable à toi. Toi, l'Esprit de vérité. Toi, l'Esprit de grâce et de faveur. Toi, l'Esprit de louange. Merci du nom de Noé, au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci, merci Seigneur pour ta grâce, éternel Dieu, grand redoutable, glorifie ton nom dans nos vies,
et manifester ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mesdames et Messieurs, nous allons proclamer, n'est-ce pas, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous élevons nos voix vers toi, Maître du ciel et de la terre. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, la victoire du sang de la nouvelle alliance dans nos vies, dans nos familles. Nous célébrons la victoire du roi éternel, la victoire de celui qui vit et qui règne jamais, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Maître du ciel et de la terre, alléluia, tu es digne d'être loué. Grand roi, nous proclamons et célébrons ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ton plan merveilleux. Seigneur, merci pour ta fidélité. Oh Seigneur, merci. Alléluia, gloire et louange à toi, Seigneur de gloire. Merci Seigneur pour ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous voulons parler, n'est-ce pas, de la restauration par les combats spirituels. La restauration par les combats spirituels. Bien-aimés, je voudrais, n'est-ce pas, ce soir, que nous puissions d'abord comprendre une chose, c'est que, bien-aimés, les combats spirituels est une réalité. Est une réalité, bien-aimés, que nous ne devons pas nier. Voyez-vous, n'est-ce pas? Le combat spirituel est une réalité que nous ne devons pas nier, n'est-ce pas? En tant que chrétiens. Et même, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une responsabilité. Une responsabilité, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, nous devons comprendre cela. Que bien aimé, les combats spirituels est une responsabilité dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, dans notre vie en tant que chrétien. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que les combats spirituels est une nécessité, bien aimé dans le Seigneur. Donc Dieu nous a appelés, n'est-ce pas, bien aimé, à combattre spirituellement parlant. Nous naissons maintenant le Seigneur en étant engagés déjà dans un combat avec le diable. Qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas chrétien, venez dans le Seigneur, Satan veut se rassurer. Il veut se rassurer, venez dans le Seigneur. Et c'est là qu'il prend le temps de regarder ce qui se passe autour de nous. Il prend le temps, bien aimé, de nous épier. Ça, c'est très important, bien aimé. Pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur? Parce que l'ennemi veut s'opposer à tout ce que Dieu, bien aimé, dans le Seigneur, à tout ce que Dieu a initié. Mais il sait très bien, bien aimé, dans le Seigneur, qu'il ne réussira pas. À moins que Dieu ne puisse en décider autrement. Mais bien aimé, Satan, n'est-ce pas, ne nous touchera pas. Il ne nous touchera pas, bien aimé dans le Seigneur. Parce que tu es la propriété privée de Dieu. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci, c'est terrible. Voilà. Oh Seigneur, merci. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Bénissons Dieu, n'est-ce pas? Alors, comment détecter, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, les pièges du diable? Comment arriver, bien-aimés dans le Seigneur, à voir que la manière dont nous sommes en train de vivre, l'ennemi a mis, bien aimé, des embûches, n'est-ce pas, des écueils, tout au long de notre marche spirituelle avec le Seigneur.
L'ennemi ne s'avoue jamais vaincu, bien-aimé. Excusez-moi. L'ennemi, bien-aimé, cherche toujours à voir quelque part une place qu'on peut lui laisser. Et nous devons prendre conscience de la réalité, n'est-ce pas, et du combat spirituel. Parce que, bien-aimé, dès la Genèse, n'est-ce pas, nous y sommes pleinement engagés. Donc, disais-je, nous sommes engagés, bien-aimés, dans les combats spirituels. Bien engagés. Peut-être qu'on n'est pas du tout conscient. Peut-être qu'on fait semblant. Ou peut-être qu'il y a, bien dans le Seigneur, un certain déni d'une manière ou d'une autre. Mais qu'importe, nous devons savoir que nous sommes engagés dans les combats spirituels. En tant que chrétiens. Voilà pourquoi lorsque nous lisons le livre dans 2 Chroniques 34, nous voyons bien aimé dans le Seigneur un jeune roi qui décide, bien aimé dans le Seigneur, de faire les combats spirituels pour que Israël soit restauré, pour que les familles en Israël soient restaurées, bien aimé dans le Seigneur, pour que, bien aimé dans le Seigneur, toute la communauté juive, n'est-ce pas, la communauté, bien aimé des Hébreux, soit restaurée, renouvelée. Dans 2 Chroniques 34, je n'ai pas le temps de projeter ces versets, n'est-ce pas? Il dit, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans sur Jérusalem. Écoutez bien, 8 ans, il a régné pendant 31 ans. Donc son règne, l'âge qu'il a atteint, n'est-ce pas, c'est 39 ans. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, suivait très bien. Il marcha dans les voies de David, son père. Et il ne s'en détournera ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, c'est-à-dire à l'âge de 16 ans pratiquement. Comme il était encore jeune, il commença à chercher les dieux de la vie de son père. Et la 12e année de son règne, c'est-à-dire que là il a 20 ans, il commença à purifier. La 12e année de son règne. Il commença à purifier Judée et Jérusalem des hauts lieux. D'abord les hauts lieux, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez que ce sont des lieux sacrés, bien-aimés. Là où les gens vont faire le sacrifice, les lieux sacrés, là où les gens vont adorer les divinités. Bien-aimé, il a supprimé aussi, bien-aimé, le Seigneur, le poteau sacré. Il a supprimé, bien-aimé, le Seigneur, toutes les statues. Il a supprimé, bien-aimé, le Seigneur, les statues des faux dieux. Il a renversé les autels de Baal, bien-aimé dans le Seigneur. Il a pris, bien-aimé, les poteaux, n'est-ce pas, qui étaient sacrés là. Il a détruit toutes les statues. Et il a tout réduit en cendres. Il est allé répandre sur les tombes, bien-aimé, de ceux qui ont offert des sacrifices aux faux dieux. Et il a pris, bien aimé, les os de prêtres sur les autels qu'ils ont utilisés. On a brûlé, bien aimé, dans le Seigneur. Bien aimé, c'est une grande restauration, n'est-ce pas, bien aimé, que Josias a entamée.
une grande restauration, bien-aimé dans le Seigneur. Un jeune, bien-aimé, il est monté sur le trône, il n'avait que 8 ans. En 638 avant Jésus-Christ, n'est-ce pas, qu'il a régné. Et il avait, bien-aimé, un conseiller formidable, Ulquija. Et c'est ce conseiller-là, bien-aimé, dans le Seigneur, qui a aidé, n'est-ce pas, bien-aimé, le roi, alors qu'il avait quel âge de 8 ans, à 20 ans, bien-aimé, dans le Seigneur, à 16 ans, il a commencé à chercher Dieu, à 20 ans, bien-aimé, dans le Seigneur, il a pris la décision, n'est-ce pas, d'amener les réformes. De restaurer, bien-aimé, Juda, de restaurer Jérusalem. Il a détruit l'idolâtrie. Il s'est levé contre les cultes contraires à la volonté de Dieu. Bien-aimé, il a restauré le temple de Dieu. Et même si vous lisez la suite, vous avez vu, n'est-ce pas, le souverain sacrificateur Ulquija, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, c'est lui qui a permis. On a retrouvé le livre de la loi et on a lu, n'est-ce pas, bien aimé, la loi dans la maison, dans le temple de Dieu. Ulquija, bien dans le Seigneur, il a joué un grand rôle dans la vie du roi. Vous voyez, bien aimé, c'est important d'avoir de bons conseillers. Hein. Très important. N'est-ce pas? La 18e année de son règne, n'est-ce pas? Là, il devait avoir 26 ans. Il a purifié, n'est-ce pas, le pays, la maison. Et il a réparé, bien aimé, sur la maison, n'est-ce pas, de l'Éternel, son Dieu. Donc, c'était quelqu'un, bien aimé, qui était à l'écoute des conseils que Ulquija, le souverain sacrificateur, lui donnait. Et il a fait un travail formidable. C'est pour dire, bien aimé, dans le Seigneur, bien des choses se sont passées dans nos vies, dans nos familles. Ces choses, bien aimé, dans le Seigneur, ont été faites, n'est-ce pas, par les générations passées. Vous voyez, bien aimé, l'importance de ces réformes ici, de cette restauration. C'est le fait que d'abord, lui, il est devenu roi à l'âge de 8 ans. Il n'a pas subi l'influence de son père. Au contraire, il a subi l'influence, n'est-ce pas, de Ulquija, le souverain sacrificateur, qui, bien évidemment, le Seigneur, était en train de le conserver. Il n'avait que 8 ans quand il est devenu roi. C'est lui qui devait remplacer Amon. Il n'avait que 8 ans. Il a dit, ben écoute, c'est lui normalement le roi. À 8 ans, bien évidemment, on l'a mis sur le trône. Mais Ulquija, bien évidemment, le Seigneur, était en train d'élever le roi. Les souverains sacrificateurs. De lui, il n'y avait pas de coup d'état. Tu fais un coup d'état toi-même, tu vas mal finir. Et pas comme en Guinée, non, non. En Israël, il n'y avait pas de coup d'état. Il y avait le droit de succession. À 8 ans, Benjamin, son père Raymond, Amon, Benjamin, c'était un vrai idolâtre. Il a fait des abominations incroyables. Lorsqu'il est mort, Ulquija avait Josias avait 8 ans. Eh bien, on a dit, c'est lui qui doit remplacer son père. Il prend le trône, ben, jusqu'à ce qu'il aura de l'âge pour pouvoir. Mais en même temps, il était en train d'être entre les mains, n'est-ce pas, bien-aimé, du souverain sacrificateur Ulquija. Bien-aimé dans le Seigneur, le travail était formidable pour les souverains sacrificateurs. Parce qu'il fallait absolument, n'est-ce pas, bien-aimé, aider. Cet enfant qui n'avait que 8 ans quand il a pris le trône, l'aider, bien-aimé, dans le Seigneur, à pouvoir faire un travail formidable. Regardez un peu, l'enfant à 8 ans n'a pas connu l'influence de son père. Il a été sous l'influence, bien-aimé, de Ulquija, le souverain sacrificateur, mais regardez, n'est-ce pas, les décisions qu'il a prises. D'abord, la plus grande décision, n'est-ce pas, qu'il a prise, c'est de chercher Dieu. Ça, c'est formidable. Bien-aimé, dans le Seigneur, la Bible nous dit quoi, bien-aimé, dans le Seigneur? Il a,
la huitième année sur un, il était encore jeune. Il commença à rechercher les dieux de David, son père. Enfin, David, c'était bien dans le Seigneur, son grand-père. Il a commencé à rechercher Dieu. Et la douzième année, il a commencé à purifier, n'est-ce pas, Judas. Là, il a commencé à restaurer, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, à restaurer Judas, à restaurer Jérusalem, à restaurer, bien aimé, les familles, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons prier, n'est-ce pas, bien aimé, pour restaurer nos familles, pour la restauration de nos familles, la restauration de nos vies, la restauration de nos destinées. Il a renversé les autels de Baal, bien aimé dans le Seigneur. Il a renversé, bien aimé, les statues qui étaient consacrées au Dieu Soleil. Il a détruit les idoles. Il a détruit les images taillées, les images en fonte. Bien aimé, il les a mis en cendres, n'est-ce pas, en poudre. Et, n'est-ce pas, bien aimé, il est allé, n'est-ce pas, bien aimé, répandre cette poudre, n'est-ce pas, sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Ah, ils sont déjà morts. Voilà, on va répandre, n'est-ce pas. Ils doivent porter, n'est-ce pas, la peine de leur acte ignoble. Ce sont eux qui ont fait ces idoles. Ce sont eux qui ont fait, n'est-ce pas, ces images taillées, ces images en fonte. Allez, mettez ça en cendres, allez jeter sur leur tombe. Il a renversé les autels, bien dans le Seigneur. Il a détruit les statues consacrées, bien aimé, au soleil. Il a pris les ossements, n'est-ce pas, des prêtres sur leurs autels. Il les a brûlés. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour dire, bien aimé, ce soir, notre combat spirituel, c'est toutes ces choses, bien aimé, qui avaient déjà été érigées, n'est-ce pas, dans nos familles, qui ont une certaine influence, certains autels, certains hauts lieux, bien aimé dans le Seigneur, sur lesquels peut-être d'autres personnes sont en train de travailler avec ça. Vous savez quoi? Je me rappelle, lorsque mon père est décédé, je suis allé au-devant de mon père. Je savais, notre papa, on savait qu'il avait des fétiches sur lesquels il s'agenouillait, bien aimé. Il était très fidèle. Hein, ou devant lesquels il s'agenouillait. Et on a notre frère, un de nos frères, n'est-ce pas, et le troisième de la famille. On lui pose la question. Il dit, mais papa avait des fétiches, un carton de fétiches ici dans la maison. Mais ce carton est parti où? Oh non, voilà, c'est une dame avec qui elle... papa faisait le fétiche, c'est elle qui est venue prendre ses cartons de fétiche, elle est partie avec lui. Mais comment cette dame est entrée dans la maison alors que les gens étaient là? Quand est-ce qu'elle est venue, tu lui as donné ces cartons-là? Il n'a pas su répondre. Voyez-vous? Eh bien, tout simplement parce que, bien aimé, c'est lui qui a hérité, n'est-ce pas, le fétiche de notre père. Il a hérité ça, bien aimé, pour utiliser, pour que cela soit toujours en activité. Voyez-vous, bien aimé, les hauts lieux étaient déjà là. Bien aimé dans le Seigneur, les statues, donc, les esprits, bien aimé, pour avoir été invités, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur. On dit, n'est-ce pas, derrière l'idole se cachent les démons. 1 Corinthiens 10, le verset 20. Derrière l'idole se cachent les démons. Bien aimé, nos pères ont érigé, n'est-ce pas, des monuments. Nos pères ont érigé, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, des statues. Nos pères ont érigé des autels. Bien aimé, ça vaut la peine de nous lever, n'est-ce pas, bien aimé, pour détruire ces autels, pour détruire ces hauts lieux, neutraliser le pouvoir de ces hauts lieux, neutraliser le pouvoir de ces autels. Bien aimé, détruire toutes les statues qui sont quelque part sur lesquelles les gens s'agenouillent. Rappelez-vous, n'est-ce pas, il y a des gens qui s'agenouillent sur la statue, n'est-ce pas, une petite statue de Marie, sur la statue de ceci, et les gens disent, croient véritablement, bien aimé, dans le Seigneur, que cela leur donne un certain pouvoir. Il y en a qui ont la statue, n'est-ce pas, de l'animal. Il y en a, c'est devant la peau de l'animal. Bien aimé, il y en a qui font les cultes devant, parfois, certaines images des animaux. Qu'importe, bien aimé, dans le Seigneur. Tout ce que nous devons savoir, c'est que
Les gens qui font ces cultes-là, bien-aimés, entrent en communion avec les démons, entrent en communion, bien-aimés, avec l'armée, n'est-ce pas, bien-aimés, l'armée démoniaque, l'armée satanique. C'est pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, croyez-moi, bien-aimés, c'est la fatigue de la journée, mais fatigué, mais poursuivant toujours. Extraordinaire, ça. Le Seigneur est bon. Voyez-vous, n'est-ce pas? À 8 ans, il a pris le pouvoir. Et à 16 ans, il a cherché Dieu. Et à 20 ans, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est levé, n'est-ce pas, dans les. Il a fait ce qu'on appelle les combats spirituels. Il a commencé à renverser les statues. C'est le combat spirituel de Gédéon, n'est-ce pas? Dieu a dit à Gédéon, va dans la maison de ton père. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et les pieux sacrés qui est dessus. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir, nous allons prier. Que tout ce qui a été, n'est-ce pas, érigé dans nos familles, bien-aimés, dans le Seigneur, depuis des générations, nous allons prier pour renverser le pouvoir. S'il y a encore des esprits, bien-aimés, qui font, bien-aimés, dans le Seigneur, qui mettent, bien-aimés, ces hauts lieux en activité, qui mettent, bien-aimés, dans le Seigneur, ces statues en activité, qui mettent ces idoles en activité, nous allons invoquer la puissance du sang de Jésus pour neutraliser toutes ces statues, toutes ces idoles, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons un Dieu de victoire, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous allons élever nos voix, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons élever nos voix. Ne vous inquiétez pas, on est encore fort. Hein? Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Bonsoir, maman Alpha. Maman Mimi, que Dieu vous bénisse. Ça fait longtemps. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je disais donc, nous allons prier ce soir, n'est-ce pas, bien-aimé? C'est pour faire comme Josias a fait, bien-aimé. Nous prions pour la restauration. Comment restaurer les combats spirituels pour la restauration de nos familles, la restauration de nos vies. On dit bien le verset 2. Bien-aimé, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La huitième année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher les dieux de David, son père. Et la douzième année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Alléluia. On renversa devant lui les autels de Baal. Il a bâti les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées, les images en fonte et les réduisit en poussière. Il répandit la poussière sous les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Bénissons, n'est-ce pas, bien-aimés, les dieux des grâces. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur, n'est-ce pas, pour le sang qui a été versé à Golgotha. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Merci pour le sang de la grâce et de la faveur. Merci pour le sang de la purification. Nous te bénissons éternel, notre Dieu. Nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur et pour ta fidélité. Merci Seigneur pour le sang qui a été versé à Golgotha, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la grâce et de la faveur. Nous proclamons la victoire du sang de la nouvelle alliance. Nous confessons que tu es Seigneur, tu es le roi éternel, tu es celui qui vit d'âge en âge, d'éternité en éternité. Il n'y en a point d'autre comme toi, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta victoire. Alléluia. Tendre Père, merci. Bienvenue dans le Seigneur. Alors nous allons, n'est-ce pas, bien-aimés,
comme Josias, n'est-ce pas, bien-aimé, invoquer, n'est-ce pas, bien-aimé, la présence de Dieu. Bien-aimé, que Dieu nous inonde de sa présence, n'est-ce pas? Nous allons invoquer la présence de Dieu dans nos vies. Nous allons invoquer son règne dans nos vies, dans nos familles. Et que tout règne du mal soit neutralisé. Tout règne du mal disparaisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimé. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien-aimé. Alléluia. Élevons nos voix, n'est-ce pas. Rendons grâce au Seigneur, n'est-ce pas. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te venons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous venons devant toi pour implorer ta miséricorde, ton pardon, Seigneur, dans notre conduite. Les dieux de pardon, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux de bonté. Nous implorons ta miséricorde et ton, alléluia, ta miséricorde, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta miséricorde, Maître du ciel et de la terre. Souviens-toi que nous sommes tes enfants. Souviens-toi que nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus, tu es digne d'être loué, d'être célébré. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, les rois éternels. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ton amour infini. Au nom puissant de Jésus Christ, nous t'élevons à la plus haute place. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Maître du ciel et de la terre. Nous sommes là, Seigneur notre Dieu, pour te louer, pour te célébrer, pour t'adorer. Au nom puissant de Jésus. Rokoboya karabayandaba. Alléluia, bien-aimés, bénissons Dieu, n'est-ce pas, pour le sang qui a été versé à Golgotha. Invoquons la puissance du sang lié dans nos vies. Au nom de Jésus éternel, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus, Maître du ciel et de la terre. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Oh robo ya karaba yo korobo shikababa. Oh robo yandaba. Rakaba yo korobo shikababa. Oh robo ya karaba yo korobo. Seigneur, merci, merci Seigneur pour ta grâce. Au nom puissant Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous allons maintenant proclamer la victoire de l'œuvre de la croix. Alléluia. Nous allons proclamer la victoire de l'œuvre de la croix sur tout ce que, bien-aimé dans le Seigneur, Satan a planifié contre ce programme de prière. Élevons nos voix, n'est-ce pas, prenons le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix sur tout le plan du diable. Éternel notre Dieu, nous nous levons contre le plan du diable. Nous déprogrammons ce que l'ennemi a programmé contre nos vies, contre nos familles, nos puissants de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, nous t'élevons à la plus haute place, éternel Dieu Tout-Puissant, et nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus. N'est-il pas écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, de la parole de leur témoignage? N'est-il pas écrit, le pouvoir écrit, le pouvoir nous a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire au nom puissant de Jésus Christ. Alléluia. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être alléluia. Oh robo ya karabayandaba. Oh robo ya karabayo korobo shikababa. Oh robo yandaba. Rokobo ya karabayo korobo shikababa. Seigneur, merci. Merci grand roi de l'univers. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ton amour, pour ta grandeur et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, oh robo yandaba, oh robo yakaraba yoko robo shikababa, oh robo yakaraba yoko, rakaba yoko robo shikababa, oh robo yakaraba yandaba, rakandaraba korobo shikababa. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, merci pour ta victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons maintenant nous lever, n'est-ce pas, contre la puissance de l'idolâtrie.
Nous allons proclamer trois fois le sang de Jésus. Nous allons briser la puissance de l'idolâtrie, n'est-ce pas? Son influence sur nos vies. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur pour ton, alléluia, ta bonté infinie. Merci Seigneur pour toutes tes bienveillances. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu grand redoutable. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te bénissons. Nous sommes éternels, notre Dieu. Vraiment, Seigneur, notre Dieu, merci pour ta victoire. Éternel, notre Dieu, quel que soit le nombre que nous pouvons être, qu'on soit 20 millions, 10 millions, tendre Père, mais tu nous appelles à prendre conscience dans les combats spirituels. Voilà pourquoi nous nous levons contre la puissance de l'idolâtre, au puissant de Jésus, et nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Tendre Père, nous brisons toute forme d'idolâtrie, n'est-ce pas, dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous lever, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, pour renverser les autels, bien-aimé dans le Seigneur, sur lesquels, n'est-ce pas, bien-aimé, on a fait des sacrifices dans nos familles. Les autels, parfois, bien-aimé, qui ont traversé les générations, que peut-être vous ne voyez pas de vos propres yeux, bien-aimé. C'est un autel qui a été dressé quelque part, là où les gens qui sont dans la société, qui sont dans l'occultisme au sein de la famille, vont y faire des sacrifices. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous lever contre tous les autels, n'est-ce pas, dressés, n'est-ce pas, les autels maléfiques dressés, n'est-ce pas, dans nos familles, par qui que ce soit, bien-aimé, que ces autels soient renversés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons proclamer trois fois, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons proclamer trois fois, Jésus est vainqueur. Nous allons renverser les autels maléfiques. Alléluia, tendre Père, merci. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Nous proclamons ta fidélité au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur notre Dieu. Oh notre Seigneur notre Dieu, lève-toi, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire, Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, les rois éternels. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour alléluia. Orobuya karabayo koro. Rokoboya karabayo koro boshikawa. Rondobo karabayo koro bo. Seigneur, merci grand roi de l'univers. Nous te bénissons et nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus Christ. Alléluia. Seigneur, merci. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Oh, Robo Yakaraba. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta grandeur. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons maintenant élever nos voix, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons renverser. Alléluia. Les hôtels en activité, n'est-ce pas, dans nos familles. Bien-aimé, les hôtels sur lesquels on a fait, les hôtels qui sont encore actifs, n'est-ce pas, dans nos familles. Alléluia. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un, deux, trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu, bien-aimé, brise tout hôtel en activité, n'est-ce pas, dans ta famille, n'est-ce pas, bien-aimé. Les hôtels qui sont en activité, les hôtels qui sont utilisés, n'est-ce pas, par les sorciers, bien-aimé, dans le Seigneur, et par les satanistes, n'est-ce pas, de nos familles, bien-aimé, ou même du quartier, n'est-ce pas, ou même, bien-aimé, venant de n'importe où, n'est-ce pas. Ils utilisent certains hôtels en activité dans nos familles, bien-aimé. Nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour renverser ces hôtels. Alléluia. C'est notre Dieu, que ton feu, c'est notre Dieu, consume les hôtels, c'est notre Dieu, les hôtels maléfiques, les hôtels de sacrifice dans ton Père, que ces hôtels soient neutralisés, que le feu de Dieu consume, tendre Père, ces hôtels, qu'ils soient renversés, mais renverse ces hôtels maléfiques, tendre Père. Nous venons renverser les hôtels maléfiques en activité dans nos familles, au nom puissant de Jésus.
Dieu Tout-Puissant, merci. Je renverse, Seigneur notre Dieu, les hôtels maléfiques en activité dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, que les hôtels tendres, Père, maléfiques en activité dans nos familles, ces hôtels soient brisés, ces hôtels soient neutralisés. Nous renversons les hôtels maléfiques au nom puissant de Jésus, parce que le pouvoir nous a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Notre Seigneur, notre Dieu, je viens renverser les hôtels maléfiques. Je le renverse. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je proclame la victoire du sang de la nouvelle alliance. Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, toi qui es assis sous le trône éternel, toi qui es assis sous le trône de gloire, que tu t'élèves dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Maître du ciel et de la terre, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta faveur, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta bonté, pour ta bienveillance, merci Seigneur pour ton amour infini, au nom puissant de Jésus, nous élevons nos voix vers toi et nous proclamons ta victoire. Grand roi de l'univers, merci. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ton œuvre à la croix. Merci Seigneur pour ta fidélité. Dieu Tout-Puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer à lever nos voix. Nous allons briser, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons nous lever, bien-aimés dans le Seigneur, contre, n'est-ce pas, l'idolâtrie, n'est-ce pas. Nous allons briser, bien-aimés, n'est-ce pas, le pouvoir de l'idolâtrie. Nous allons, bien-aimés, briser le pouvoir de l'idolâtrie dans nos familles, la puissance de l'idolâtrie. Nous allons nous lever contre le pouvoir de l'idolâtrie. Nous lever, bien-aimés, contre la puissance de l'idolâtrie dans nos familles, nos puissants de Jésus. Par le sang de Jésus, proclamons trois fois le sang de Jésus. 1, 2, 3, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Bien-aimés, brise, n'est-ce pas, bien-aimés, dans le Seigneur, alléluia, la puissance de l'idolâtrie. Dans le Père, nous élevons nos voix vers toi. Je me dresse contre la puissance de l'idolâtrie dans ma famille, au nom puissant de Jésus. Je viens briser la puissance de l'idolâtrie. Tendre Père, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Je brise la puissance de l'idolâtrie. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que la puissance de l'idolâtrie soit brisée, soit neutralisée. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci. Maître du ciel et de la terre, merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta fidélité, pour ta bonté, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Nous brisons, grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, les idoles en activité, les idoles en activité, que ces idoles soient neutralisées. J'invoque le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, merci, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent d'abord. Seigneur, merci pour ta victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons prier. Alléluia. Bienvenue, nous allons prier, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Continuons encore à prier, bienvenue, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une véritable restauration, n'est-ce pas, dans nos vies et dans nos familles, n'est-ce pas, bien-aimés. Nous allons nous lever, n'est-ce pas, bien-aimés, contre, n'est-ce pas, bien-aimés, les images, n'est-ce pas, bien-aimés, les images dans nos maisons, n'est-ce pas. Nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit pour détruire, consumer, bien-aimés, dans le Seigneur, les statues autres, bien-aimés, les interdits, les objets, bien-aimés, dans le Seigneur, les objets, bien-aimés, qu'on a déposés dans nos maisons, ou qui sont dans nos familles, bien-aimés, les objets qui servent parfois de fétiches. Bien-aimés, parfois c'est une casserole qu'on a laissée quelque part, parfois c'est une queue, la queue d'un animal, bien-aimés, parfois c'est, bien-aimés, dans le sens, c'est une pierre et qu'on se, bien-aimés. Donc, on peut avoir plusieurs, bien-aimés, objets interdits, n'est-ce pas, bien-aimés, qui sont à la base, n'est-ce pas, des malheurs dans nos vies et dans nos familles. Nous allons nous lever, bien-aimés, contre les interdits. Nous allons invoquer le sang de Dieu, n'est-ce pas, pour neutraliser, n'est-ce pas, le pouvoir des interdits et renverser les interdits, bien-aimés. Que les interdits soient broyés en cendres, n'est-ce pas, bien-aimés, dans le Seigneur, dans le feu du Saint-Esprit. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. 1, 2, 3. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit.
Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire, grand roi de l'univers. Nous invoquons le feu de vos rangs. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Éternel Dieu, grand redoutable, nous sommes si fiers, alléluia, de ce que tu nous as appelé à mener, à restaurer nos familles. Seigneur notre Dieu, nous invoquons ton nom, maître du ciel et de la terre. Seigneur, je prie pour que les interdits dans ma vie soient neutralisés, soient broyés en cendres. Au nom puissant de Jésus, que les interdits soient neutralisés, que les interdits soient brisés. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux d'amour, les dieux de paix, que tu t'élèves au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ, maître du ciel et de la terre. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent en toi. Ô éternel notre Dieu, merci. Merci grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi éternel Dieu Tout-Puissant. Tendre Père, nous nous lèvons contre les idoles qui ont été, Seigneur notre Dieu, depuis des générations. Nous renversons les statues, Seigneur notre Dieu, les statues sous toutes les formes. Tendre Père, que les statues soient broyées en poussière, au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous prisons, Seigneur notre Dieu, le pouvoir. O robo yakaraba yoko robo shikababa. O robo yandaba. O robo yakaraba yoko robo. Ah, éternel, notre Dieu, merci. Merci, Seigneur, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. O robo yandaba. O robo yakaraba yoko robo shikababa. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Tendre Père, merci. Que les interdits soient neutralisés. Dans le bien de la Seigneur. Rappelez-vous, n'est-ce pas, des Akan. Akan, bien aimé, avait touché à l'interdit, n'est-ce pas, bien aimé, le Seigneur. Et cela a ouvert la porte, n'est-ce pas, à la défaite de tout Israël. Bien aimé, un interdit, ça veut dire une statue, n'est-ce pas, bien aimé, le Seigneur. Une statue, bien aimé, que ce soit, n'est-ce pas, les images taillées, les images en fonte, bien aimé, peuvent être à la base de notre défaite. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons continuer après, n'est-ce pas, bien aimé, que toute statue, bien aimé, dans le Seigneur, que toute idole, bien aimé, dans le Seigneur, qu'on a pu garder, ou qui a été gardé, n'est-ce pas, dans nos familles, bien aimé, dans le Seigneur, que cela soit neutralisé, alléluia, soit broyé ensemble, au nom puissant de Jésus. Allez, élevons nos voix, n'est-ce pas, bien aimé, élevons nos voix, prions le Seigneur, tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons ta victoire, nous élevons notre Seigneur, notre Dieu, contre tout le plan du diable, au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, grand roi de l'univers. Lève-toi, puissant de Jacob. Lève-toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. O robo yandaba. O robo yakaraba yoko robo shikababa. O robo yakaraba yoko robo rakaba yoko robo shikababa. O robo yandaba yakaraba. O robo yakaraba yoko robo shikababa. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons maintenant prier, n'est-ce pas, bien-aimé, pour, n'est-ce pas? Alléluia. Nous allons, bien-aimé, renverser, n'est-ce pas, bien-aimé, les autels, n'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia. Nous allons renverser, bien-aimé, les autels des fétiches. Alléluia. Les autels de la sorcellerie. Nous allons le renverser au nom puissant de Jésus. Alors, proclamons trois fois, n'est-ce pas? Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous nous renversons, éternel, notre Dieu. Les autels de fétiches, les autels de la sorcellerie. Nous renversons ces autels au nom puissant de Jésus et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous renversons les autels de la sorcellerie, les autels de la magie, les autels de l'occultisme, les autels de l'astrologie. Nous renversons ces autels au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, merci. Il me renverse les autels de l'astrologie. J'ai renversé notre Dieu, l'autel de l'astrologie, l'autel de l'astrologie. Que cet autel soit renversé au nom puissant de Jésus, l'autel de la magie, l'autel de l'occultisme.
dans ton père, je renverse ces autels, je brise au nom puissant de Jésus, je détruis au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de paix, les dieux de miséricorde. Merci éternel Dieu tout-puissant pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton amour, pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te glorifions. Merci pour la vie de Dieu Zoé, Dieu tout-puissant. Merci pour ton plan merveilleux. Merci pour ta victoire, grand roi de l'univers. Tu es digne d'être loué, d'être célébré au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta victoire. Notre Seigneur, notre Dieu, merci, alléluia, pour ton œuvre à la croix. Que ces autels soient renversés, l'autel de la sorcellerie, tendre Père, que le feu du Saint-Esprit neutralise tout autel de la sorcellerie, érigé dans ma famille, érigé dans ma belle famille, érigé dans mon quartier, tendre Père, que les autels de la sorcellerie, Seigneur, notre Dieu, en activité contre nos familles, contre nos vies, les autels de la sorcellerie, érigés dans la vie de mon frère, dans la vie de la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur, que ces autels de la sorcellerie soient neutralisés, soient renversés, au puissant de Jésus, l'autel de fétiche, les autels de fétiche, tendre Père, les autels de l'astrologie, tendre Père, merci pour ta victoire, les autels de l'astrologie, nous nous lèvons contre ce notre Dieu, l'astrologie, nous brisons la puissance de l'astrologie, au nom puissant de Jésus Christ, Dieu Tout-Puissant, merci, nous brisons la puissance de l'astrologie et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, maître du ciel et de la terre. Seigneur, lève-toi, éternel Dieu Tout-Puissant, lève-toi. Nous réduisons en cendres et tendre Père, tous les autels maléfiques qui ont été érigés ou qui sont en activité dans nos familles. Nous les réduisons en cendres par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci, merci pour ta victoire. Nous réduisons en cendres, éternel notre Dieu. Nous réduisons en cendres tous les autels maléfiques érigés dans nos familles, érigés tendre Père, s'élevant contre nos vies. Nous brisons ces autels au nom puissant de Jésus et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Tendre Père, nous brisons les autels de la sorcellerie, l'autel de la sorcellerie érigé dans ma famille. Que cet autel soit brisé, soit neutralisé par le feu du Saint-Esprit. Tendre Père, merci. Par le feu du Saint-Esprit, nous proclamons ta victoire. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons briser la puissance des sacrifices, n'est-ce pas? Le sacrifice des animaux bien-aimés qui ont été, n'est-ce pas, bien-aimés, alléluia. Les sacrifices des animaux qui ont été bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, sacrifiés, n'est-ce pas, bien-aimés, sur les autels. Bien-aimés, nous allons briser, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia, proclamons, bien-aimés, proclamons trois fois, n'est-ce pas, l'effet du Saint-Esprit. Nous allons briser, au nom puissant de Jésus, bien-aimés. Neutraliser, n'est-ce pas, bien-aimés, le pouvoir de sacrifice. Nous allons faire taire les cris des sacrifices qui ont été sacrifiés sous ces autels, n'est-ce pas, bien-aimés. Nous allons faire taire le pouvoir de sacrifice au nom puissant de Jésus. Alléluia. Proclamons trois fois, n'est-ce pas, le sang de Jésus qui crie mieux que celui d'Abel. Trois fois le sang de Jésus, un, deux, trois. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Dieu, tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire. Jésus-Christ, roi de gloire. Jésus-Christ, maître du ciel et de la terre. Nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Nous nous lèvons contre toutes les œuvres de terre, nous nous lèvons, c'est notre Dieu, contre la puissance de notre Dieu, de l'idolâtre au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix au nom puissant de Jésus. Nous faisons taire, c'est notre Dieu, les cris des sacrifices. Je fais taire les cris des sacrifices qui ont été, c'est notre Dieu, alléluia, sacrifiés sous les autels. Je fais taire le pouvoir de sacrifice, le pouvoir de sacrifice au nom puissant de Jésus. Je fais taire les cris des sacrifices. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je fais taire les cris des sacrifices
qui ont été sacrifiés dans nos familles. Le Christ est notre aide. Des animaux. Le cri des sacrifices des animaux qui ont été sacrifiés dans nos familles. Je fais taire le cri des animaux. Je fais taire le cri des animaux. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix, n'est-ce pas, bien-aimés? Nous allons briser, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Le pouvoir, n'est-ce pas, bien-aimés? Nous allons briser, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. La puissance, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. La puissance de l'occultisme, n'est-ce pas? Nous allons nous lever contre la puissance de l'occultisme, la puissance de la sorcellerie, alléluia. La puissance, bien-aimés dans le Seigneur, de l'occultisme, la puissance de la magie, la puissance de la divination, n'est-ce pas, bien-aimés? Alléluia. Nous allons nous lever, bien-aimés, contre toutes ces puissances, n'est-ce pas? Et leurs œuvres, au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois, bien-aimés, n'est-ce pas? Alléluia. Jésus-Christ. Jésus-Christ est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur. Les vainqueurs de Golgotha. Nous nous levons contre les œuvres des ténèbres. Nous nous levons contre les puissances de la sorcellerie, au nom de Jésus. Nous nous levons, c'est notre Dieu, contre toutes ces principautés, ces autorités, au nom puissant de Jésus. Et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Dieu Tout-Puissant, lève-toi, Seigneur. Nous nous levons contre la puissance de la sorcellerie. Nous nous levons contre la puissance de la magie. Nous nous levons contre la puissance de l'occultisme. Au nom puissant de Jésus, la puissance de la divination. Je brise la puissance de la divination. Je brise la puissance de l'occultisme et de la sorcellerie. La puissance de l'astrologie. Qu'elle soit brisée, qu'elle soit neutralisée. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je confesse que Jésus Christ roi, Jésus Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père, au nom puissant de Jésus Christ, Seigneur notre Dieu, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons invoquer la puissance du sang de Dieu, n'est-ce pas? Nous allons proclamer la puissance de la restauration. Que Dieu restaure nos familles. Que Dieu restaure notre destinée. Que Dieu restaure nos vies. Que Dieu restaure l'Église. Au nom puissant de Jésus, proclamons trois fois le sang de Dieu. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour la puissance de la restauration. Restaure, Seigneur. Restaure l'Église. Restaure l'Église. Restaure ton peuple. Restaure tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Les dieux de la restauration, merci pour la puissance de la restauration. Merci de restaurer nos vies, de restaurer nos familles. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ton œuvre à la croix. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, le roi éternel. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre. Alléluia. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, que l'honneur, la gloire, Seigneur, restaure, Seigneur, restaure nos familles, restaure nos vies. Les dieux de la restauration, viens restaurer. Nous proclamons le pouvoir de la restauration de nos vies, la restauration de notre vie spirituelle, la restauration de nos familles, la restauration du ministère, la restauration de l'Église, la restauration de notre destinée. Merci pour la puissance de la restauration. S'il te plaît, Dieu de gloire, restaure nos familles, restaure nos familles. Au nom puissant de Jésus, restaure nos familles et nos vies. Au nom puissant de Jésus, restaure nos familles et nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous te proclamons roi, maître du ciel et de la terre. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi, le grand roi. Au nom puissant de Jésus-Christ, gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour et pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être loué et d'être célébré. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Alléluia, tendre Père, merci. Glorifie ton nom dans nos vies. Manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons invoquer la puissance du sang qui a été versé à Golgotha. Et nous allons, n'est-ce pas, bien aimé, invoquer, alléluia,
la puissance, n'est-ce pas, bien? Que Dieu purifie nos vies, que Dieu purifie nos familles, que Dieu purifie notre destinée par le sang de Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu nous protège, bien aimé, contre toutes les attaques de l'ennemi, au nom de Jésus. Et en même temps, nous allons, bien aimé, prier, n'est-ce pas, pour briser, n'est-ce pas, tout ce que l'ennemi a planifié contre nos vies et contre nos familles. Élevons nos voix, bien aimé, prions ce tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, maître du ciel et de la terre. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Nous proclamons ta magnificence au nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de paix. Seigneur, que le sang versé à Golgotha sanctifie, purifie nos vies, sanctifie, purifie nos familles, sanctifie, purifie nos maisons. Au nom puissant de Jésus, que le sang versé à la croix nous lave et nous purifie. Tendre Père, nous brisons toutes les malédictions contre nos vies. Nous déprogrammons les accidents, nous déprogrammons la mort, bien-aimés, lève-nous contre la mort, bien-aimés, la mort sous toutes les formes, brisons la puissance de la mort prématurée, alléluia, la mort, bien-aimés, brutale, tendre Père, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, nous nous lèvons contre la mort prématurée, la mort brutale, c'est notre Dieu, la mort brusque, nous brisons la puissance de la mort, et nous proclamons la vie de Dieu, au nom puissant de Jésus, éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour la vie, merci pour ta victoire, au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci. Que toute contre-attaque de l'ennemi soit brisée, soit neutralisée, au nom puissant de Jésus. Nous brisons toute contre-attaque de l'ennemi et nous proclamons ta victoire dans nos vies. Seigneur, merci. Merci pour la vie de Dieu, Zoé. Élevons nos voix, bien-aimés, prions, n'est-ce pas, bien-aimés, pour maman Fifi qui est dans le coma. Bien-aimés, arrachons-la, n'est-ce pas, bien-aimés, dans le Seigneur. Et prions, n'est-ce pas, pour Maxime qui est en prison, n'est-ce pas? Que Dieu puisse visiter ces jeunes hommes. Alléluia. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Prions le Seigneur. Tendre Père, merci. Merci pour la puissance de la guérison dans la vie de maman Fifi. Tendre Père, nous arrachons son âme. Que son âme sorte du coma. Nous parlons à l'âme de maman Fifi. Éternel notre Dieu, souviens-toi de son âme. Maintenant, là, je parle à maman Fifi. Tendre Père, qu'elle entende ta voix. Qu'elle entende ta voix là où elle est à l'hôpital. S'il te plaît, éternel Dieu Tout-Puissant, les dieux de l'impossible, les dieux de l'impossible. Oh, notre Seigneur, notre Dieu, tu es le Dieu de miracles. Lève-toi, tendre Père, dans nos familles, au nom puissant de Jésus, nous en appelons à la vie, au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire, au nom puissant de Jésus, nous confessons que Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, les dieux de l'impossible, les dieux de miséricorde, les dieux de paix, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions, que la puissance de la mort soit neutralisée, soit brisée, au nom puissant de Jésus, nous en appelons à la vie, Seigneur, la vie de Dieu Zoé, la vie de Dieu Zoé, que toute contre-attaque soit brisée, soit neutralisée, que le sang versé à la croix recouvre nos familles, recouvre nos vies, au nom puissant de Jésus, que la mort soit neutralisée. Seigneur, merci pour la vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, nous lèvons contre les esprits des cimetières, les esprits des accidents, nous brisons les esprits des cimetières, au nom puissant de Jésus, les esprits de l'enfer, nous le neutralisons, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour ta victoire, on dit. Remercions le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit pour ta victoire dans nos vies, dans nos familles. L'Esprit de grâce et de faveur. Merci cher Saint-Esprit. L'Esprit de victoire, l'Esprit de faveur, l'Esprit de louange, l'Esprit de paix. Saint-Esprit, merci pour ta victoire dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité. Cher Saint-Esprit, merci. Cher Saint-Esprit, merci. Nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, cher Saint-Esprit. Amen, 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 amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse lui sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen, 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 amen. À très bientôt, bénis dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Soyez bénis, à très bientôt, merci. Bye.